je suis sans mots, vraiment. Ça demande combien de temps de préparer un spectacle? Ben, je dirais environ 4 mois pour qu'il soit tout bien préparé et vraiment beau, là. Ça prend au moins 4 mois. Puis qu'est-ce que tu trouves de plus difficile dans le tissu aérien? C'est vraiment les mouvements. C'est drôle à dire, mais c'est vraiment ça parce que ça prend beaucoup de force, puis c'est vraiment difficile. Puis si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui a vu ton spectacle ce soir, puis bon, il vient de s'intéresser au tissu aérien, puis a envie de commencer. OK. Ça prend beaucoup de force musculaire, puis aussi de la technique, puis beaucoup de patience, parce que c'est long. Puis est-ce que tu prévois des projets futurs dans ce discipline-là, ou bien c'est vraiment un passe-temps pour toi? Ouais, ben pour l'instant, c'est pas mal, juste une passion, mais c'est sûr que j'aimerais continuer, puis approfondir ça un peu plus tard, mais c'est vraiment, c'est une passion pour l'instant. C'est une passion qui pourrait avoir place à peut-être un métier plus tard. Je sais pas. Mais dis-moi, je te le souhaite. En tout cas, t'as le talent pour. Puis si la vie peut t'amener là, ben du moins, ben bonne chance. Merci. Je te remercie. Puis nous, on retourne en studio pour la 3e performance et non la moindre avec mon amie Marie-Christine. J'ai hâte que vous la voyez, celle-là. Merci, Laurence, et félicitations à Chloé. Et là, Laurence a vraiment raison de dire que c'est la dernière prestation, mais non la moindre, parce que j'accueille présentement Victor Lavoie et Mathieu Larouche pour un duo de danse acrobatique. Et attendez des voir, parce qu'ils vont certainement vous couper le souffle. Allô, les gars. Bonjour. Comment vous sentez-vous? Un peu nerveux. Oui, un peu nerveux. Là, vous êtes vraiment beau à voir. Là. Expliquez-moi, c'est quoi le concept? Notre numéro, ça s'appelle Paranoïa. Donc, ça part de la peur, du mystère. On est allé dans quelque chose de très abstrait pour faire différent, en fait. Mais c'est vraiment réussi. C'est super beau. On les applaudit. Et dites-moi, pourquoi avoir choisi cette discipline? Surtout parce que moi, j'ai commencé la gymnastique parce que j'aimais ça faire des pirouettes, puis j'aimais ça les sensations fortes, donc c'est pas mal pour ça que j'avais commencé la gymnastique. Ben, je vais vous laisser vous pratiquer, et là, vous préparez en fait, oui, et là, on s'en va voir le reportage que notre équipe a tourné sur les deux garçons.